Quel âge as-tu? 17 ans et demi. Avoue que tu te crois imbattable. Ah non, monsieur. Ah, si j'avais encore mes 17 ans, tu n'aurais pas marqué un point. Non, monsieur. Quel est le score? Eh ben, ça fait jeu. J'ai gagné. Continuons. J'ai besoin de me mettre en jambe. On a déjà fait 3 parties ce matin. Eh bien, ce que je dis, je m'échauffe. Monsieur Riley, il faut que j'aille bosser, moi. Ted, envoie-moi cette balle avant que je te frappe et arrête de m'appeler monsieur Riley. De mauvais poils ce matin. C'est pas nouveau, je vous bats toujours. Et d'habitude, vous êtes plutôt beau joueur, non? Et donc, j'en ai marre d'être beau joueur. En tout cas, aujourd'hui. Tu sais pourquoi, Ted? Devine. Je vais te dire pourquoi. Tu n'apprécies pas ta jeunesse à sa juste valeur. Sais-tu seulement pourquoi? Mais je vais te le dire, parce que tu es jeune. Moi, je veux vieillir. Serre-moi cette balle. Sais-tu quel jour nous sommes? Hein? Vendredi. C'est mon anniversaire. Si je te disais qu'aujourd'hui, je viens d'avoir 30 ans, tu me traiterais de menteur. Hein? Tu aurais raison. C'est pas 30, mais 40. Que j'aimerais avoir de nouveau mes 17 ans. Point. Gagné. La vraie. Au fait, joyeux anniversaire. Et à tout à l'heure au bureau. Il fait que je le rappellerai plus tard. Entendu, Franck Siné sur la 2. Oui, lui aussi je le rappellerai plus tard. Mm-hmm. Vous avez du sparadrap? Oui, j'en ai de charmants, avec plein de petits animaux dessus. Répondez au message. Auriez-vous encore perdu? Apportez-moi une tonne de glace. Vous avez perdu. Allez, les bombes, allez! Monsieur Riley, vous êtes de meilleure humeur? Oui, ça va. Bon. Qu'est-ce que je peux vous proposer aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pensez du super roast beef aux oignons? Cholestérol. Ah. Eh oui. Et les gens de votre génération, ça les inquiète plutôt. Ça veut dire quoi, ces insinuations? Rien. Enfin, je veux dire, les gens plus vieux, quoi. Prenez du canard. C'est tout à fait ce qu'il vous faut. Tu as un skateboard, peut-être? Eh bien sûr, pourquoi? Parce que tu devrais être dehors, à profiter de la vie. Tu es trop jeune pour travailler. Faut bien que je gagne ma vie. Oui, et c'est ton argent de poche, exact. Oui. Tu vas à l'école, exact. Oui. Alors profite de ta jeunesse, c'est ta vraie richesse. Tu as tout le temps pour gagner ta vie. Allez, fais-moi plaisir, profites-en. Je dois songer à l'avenir, monsieur Riley. Je suis pas comme vous, moi, j'ai aucune affaire, ni costume 3 pièces. Ni même une chouette fille qui a cette allure. Et quelle importance? Tiens, que fais-tu ce soir? Tu vas danser, je parie.
Je vais faire du roller skate ce soir. Du roller skate, j'en étais sûr, mais j'adorerais faire du roller skate. Eh ben alors faites-en. Bah, de quoi j'aurais l'air? J'aurais l'air d'un idiot en roller skate. Pourtant, grand Dieu, qu'est-ce que j'aimerais ça. Voilà, admettons que j'ai plein de sous. Eh ben, j'ai bien cogité. Je démarre une affaire de sandwich. Et si l'affaire roule, je me lance à fond et je lâche mon école. Et peut-être qu'un jour, je serai reconnu comme le roi du sandwich. Ted, écoute mon conseil. Reste à l'école, continue tes études. Et le plus important, amuse-toi tant que tu es jeune. Moi, ça m'amuserait d'être riche, monsieur Riley. Quand j'aurai votre âge, si j'ai la moitié de votre réussite, je serai un homme heureux. Quand tu auras mon âge, sors de mon fauteuil. Excusez. Je m'en vais. Déjà, n'oubliez pas le dîner chez Déborah. Joyeux anniversaire! Je pouvais difficilement lui dire qu'il reste à l'hôtel. Ouais, pourquoi non? Est-ce que tu peux être affreux, Jojo? Oui, chérie. Ouais. Monsieur Riley? Oh, Ted, tu ne devais pas faire du relâche? J'y vais, joyeux anniversaire. Oui, mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. M'amuser? Qu'est-ce que tu attends? J'y vais, j'y fonce. Trouver un débouché sur un marché et investir. Oncle Mick, tu me donnes une glace? Oncle Mick? Mais je ne suis pas Oncle Mick. Qui t'a donné l'idée de m'appeler Oncle Mick? Tante Baby. Tante Debbie, de mieux en mieux. Prends donc tes adorables menottes, essuie-les sur la robe de Tante Debbie, glisse-lui à l'oreille que tu veux une énorme glace, d'accord? Tu as bien compris, bien, comme il est gentil. Et quel âge a-t-il, Kevin, aujourd'hui? 7 ans. Il a décidé de commencer le baseball cette année. Non, c'est vrai? Oui. J'adore le baseball. Vraiment? Oui. Oh, mais nous manquons d'entraîneurs. Peut-être pourriez-vous venir les faire jouer. Oh, c'est difficile. Je n'ai pas le temps. Trop de travail. Vous devriez vous ranger à présent, Michael. Vous mariez. C'est vrai. Fonder une famille. Je vous vois bien, bon père de famille. Sévère. Je crois surtout sévère. Excusez-moi. Joyeux anniversaire, Michael. Joyeux anniversaire. Fais aveu. Ah oui, bah qu'il y ait moins de bougies sur le gâteau. Ah. Les poumons, c'est ce qu'il fait en premier. Oh, tant. Michael? Stan. Stan Levin. Non, le Levin, de Georgetown. Ah, mais que fais-tu là, mon Dieu? Je suis en ville pour un séminaire. John et Rita Powell m'ont dit qu'ils étaient invités à une soirée donnée en l'honneur d'un certain Michael Riley. Alors, je me suis demandé si c'était le même Michael Riley que j'avais connu jeune. Tout à fait, quelle incroyable coïncidence. Toi, t'as pas changé d'un poil. Ah ouais, toi, tu as changé. Hein? Ah, mais tu as l'air bien. Oui, ça va. Dis-moi, es-tu toujours à Georgetown? Ah non, Delaware. Mais j'y retourne très souvent. Et toi, tu y es retourné? Non, non. Je n'ai pas mis les pieds depuis 20 ans. Comme le temps passe. Ah non, c'est vrai. Bon sang, qu'est-ce que je donnerais pour retourner à l'école? Que de bons souvenirs. Sais-tu qui j'ai retrouvé à ce séminaire ce soir? Non, tu te souviens de Laura Travis? Laura Travis. Alors, elle habite toujours Georgetown et elle travaille au journal local. Elle est mariée? Depuis 18 ans. Mais son mari est mort depuis un an. Passe-lui un coup de fil, ça pourrait lui faire plaisir. Tu crois? Bien sûr, elle est descendue au Wildover. Qu'est-ce qui me prend? Elle ne se souviendra même pas de moi. Ah.
avoir leur âge. Pourquoi ? C'est vous qui venez de dire pourquoi ? Oh, excusez-moi, je n'ai pas pu m'empêcher d'entendre vos paroles. Pourquoi cet âge vous paraît-il si extraordinaire ? Vous n'êtes pas de cet avis ? Non, chaque âge a ses plaisirs. Aucune angoisse ? Aucune responsabilité ? Aucun souci ? Chaque âge a ses soucis. Vous les avez oubliés. Lesquels ? L'acné. Je n'ai jamais eu d'acné. Angoisse scolaire. J'adorais l'école. Contact difficile avec des adultes qui refusent de vous prendre au sérieux. Je me souviens bien de cette époque. Elle était merveilleuse et indépendamment du reste, j'étais... J'étais amoureux. Oh, amoureux, tiens donc. Oh, l'amour, que de cœur brisé en son nom. Pas le mien. J'avais trouvé une fille idéale. Ah oui, Laura Travis. Oui, Laura, elle fut la seule. Comment le savez-vous ? C'est facile. Chaque homme cache une Laura au fond de son cœur. Comment connaissez-vous son nom ? Elle est veuve à présent. Quelle tragédie ! Son mari était si jeune. Comment êtes-vous au courant ? Qui êtes-vous ? Ne cherchez pas. Disons que je suis hors du temps. Enfin, je vous ai posé une question. Comment connaissez-vous ma vie ? Oh, très facile, votre histoire, Michael, est tout à fait classique. Mais je... Votre mode de vie ne vous satisfait pas. Vous aimeriez oublier vos erreurs, retrouver votre jeunesse et repartir d'une façon différente. Ai-je raison ? Peut-être, oui, mais... Mais cela n'explique pas... Pourquoi vouloir toujours tout expliquer ? C'est comme ça, c'est tout. Les gens seraient plus heureux s'ils arrêtaient les regrets inutiles. D'accord, vous avez raison. Avec mon expérience de la vie, si je retrouvais mes 17 ans, je peux vous assurer que ma vie prendrait un cours différent. Cela marche bien pourtant. Oui, c'est vrai. Il vous reste beaucoup à apprendre. Pour vous, les raisons de votre infortune résident dans le passé. Mais peut-être résident-elles dans le présent. Essayez d'être plus clair, voulez-vous ? Oh, vous savez, je papote toujours, c'est terrible cette manie chez moi. Regardez-les. Ils sont heureux. À leur âge, j'étais pareil. Et jamais je n'ai pu retrouver ce bien-être. Être comme eux à nouveau, c'est vraiment trop demandé. Qui sait ? Hé, hey, fiston, terminus ! Qu'avez-vous dit ? J'ai dit fiston, terminus, tout le monde descend. Mais je rêve. Je suis jeune. Je suis jeune ! Tu veux une médaille ? Incroyable ! J'étais en train de parler à ce type et... Vous l'avez pas vu ? J'avais 6 voyageurs. Les 5 autres ont eu le bon sens de descendre. Mais il était là, Jean ! Mais grouille-toi, fiston, je veux rentrer chez moi. C'est un miracle. Un miracle ! Fou, ces gosses. Oh, merci, Roger. Excusez-moi, qui désirez-vous voir ? J'habite ici. Oh, moi ! Mon père habite ici, vous le connaissez, Michael Riley. J'ignorais qu'il avait un fils. Oh, il ne tient pas à en parler, je suis de passage, je viens le voir. C'est vrai, en effet, quelle ressemblance. Bien, allez-y. Merci. Dites-lui bonjour de ma part. Promis. Oh, c'est moi. Ne me demande pas comment c'est arrivé. Oh! Cette situation devrait m'inquiéter. Mais je m'en fous parce que j'ai 17 ans. À cet âge-là, on s'en fout. Ah, oh, monsieur, je ne sais pas qui vous êtes, comment vous avez réussi, mais... Merci pour ce miracle.
Cette chemise, tu la porterais? Il faudrait me payer. Ah bon, à ce point-là? Minet. Minet, tu trouves? Elle est super chouette, celle-là. Elle est super chouette? Ah ouais? La vie est faite de compromissions. The old man said to me, said don't always take life so seriously. Play the flute and dance and sing your song. Try and enjoy the here and now. The future will take care of itself somehow. Grass is never greener over there. Time will wear away the stone. Get to the ready to go. Don't try to live your life in one day. Jolie la cravate. Les affaires, ça boum. Et dis donc, vieux, évite de vendre des sandwichs ici parce que c'est mon secteur. Ah, mais je ne vends rien, moi, mon vieux. Un problème, tous les deux? Je ne vous rappelle pas quelqu'un. Jeune homme, ici, c'est un bureau. Et quelqu'un veut faire une partie de squash? Essayez de comprendre. C'est un bureau, non une salle de jeu. Oh, ne vous affolez pas, je m'en vais. J'ai un rendez-vous, je vais danser. Tout de suite. Salut. Salut. Dis superbe cette chanson. Comment ça s'appelle déjà? Mais je rêve. T'arrives de tes cavernes ou quoi? Ah, ça y est, j'ai trouvé le titre. Mais oui, bien sûr. J'adore ce disque. Vachement sympa. Tu veux danser? Pas envie. Raté. D'habitude, ça marchait mieux. Tu veux danser? Moi? Sûr! Bon alors, tu veux... Bye.
Hé, le jeune, là-bas. C'est pas toi qui descends à Georgetown? C'est ici. Oh, oui. J'arrive. Jeunes gens. Oh, je suis pas si jeune, j'ai 17 ans. Vous travaillez? J'envisage de suivre des cours à l'université. Et comment envisagez-vous de payer le loyer? J'ai des ressources personnelles. Ah, avez-vous volé quelqu'un? Non, c'est l'argent de mon père, c'est lui qui a volé quelqu'un. Oh. Je plaisantais. Vous savez, je ne tiens pas à avoir de chahut dans ma maison. Oh, ne vous inquiétez pas, le chahut, c'est plus de mon âge. Bah, dans ce cas, entrez donc. Je vais vous montrer la chambre. Tel que je l'ai laissé. Je vous souhaite la bienvenue dans notre établissement. Êtes-vous content d'être parmi nous? Absolument enchanté. Je vais m'occuper de l'admission. Et pouvez-vous me donner votre dossier? Dossier? Non, monsieur. Ils ont été détruits dans l'incendie de l'école. Ce fut une tragédie. Un incendie? Très ennuyeux tout ça. Peut-être pourriez-vous dire à vos parents de passer me voir. C'est impossible, monsieur. Ils sont morts. Ah. Je l'ignorais. Dans ce cas, je ne sais que faire. Je ne vois pas comment je pourrais vous inscrire dans notre établissement. C'est contraire au règlement. Je vous en prie, essayez. Ce fut le dernier vœu de mon père avant de mourir. Il m'a fait jurer d'aller à la même école que lui. C'est un ancien élève. Oui, peut-être vous souvenez-vous de Michael Riley. Michael Riley, oh oui, bien sûr, je m'en souviens, la ressemblance est frappante. Quel étudiant charmant. Oui, hélas. Je n'arrive pas à croire qu'il soit mort. Il fut un étudiant très doué et merveilleux athlète. Combien mesurez-vous? 1m80. Vous jouez au basket? Oui, j'adore. Je crois que je peux faire peut-être quelque chose pour vous. Bon, allez du tennis, réveillez-vous. Parfait, voilà, bien placé. Mais Friedman, t'appelles ça une passe? Oui. On m'a dit de venir vous voir pour entrer dans l'équipe. Alors, trop tard, j'ai tous mes gars. Mais Davis, accélère un peu. Vous pourriez peut-être faire une exception? Non. Peut-être. Vous êtes bon? De mon temps, pas mal. Vous étiez comment, ce temps-là? En barboteuse? Soyez chic, donnez-moi une chance. Mets-toi là-bas. Font partie des différentes méthodes de la législation. L'un des exemples les plus connus est sans nul doute celui de Marbury Madison. Quelqu'un est-il au courant de cette fameuse affaire? Jeffrey, pourriez-vous nous en dire deux mots? Jeffrey? Présent. Essayez de rester avec nous, Jeffrey. Oui, madame. Connaissez-vous cette affaire? Connaissez-vous la question? Quelle était la question? Laissez tomber. Mitch
répondre. Voyons voir, Marbury Madison, n'est-ce pas celui qui a créé un précédent en dénonçant le système juridique ? En d'autres termes, si une affaire est portée devant la Cour suprême, cette dernière a le pouvoir de faire basculer la décision si elle la juge inconstitutionnelle. Ce qui définit clairement la séparation des pouvoirs établie par la Constitution. C'est clair. Chapeau, hein, tu nous as époustouflés. Quelle mémoire, mais comment tu fais ? Je lis beaucoup. Ça, je m'en doute. Moi, j'avoue que le droit, ça n'a jamais été mon fort. En admettant que je rate cette matière, je peux dire adieu à mon diplôme et rester à vie à ingurgiter des rudiments juridiques. Oh, sois pas découragé, c'est pas si dur. Bah, parle pour toi, j'ai pas d'encyclopédie dans le cerveau. Écoute, j'ai l'impression que tu abordes mal cette matière. Va à l'essentiel, ne te noie pas dans les détails. Et si cela peut t'aider, je peux te filer un coup de main le soir après les cours. Mais sans blague, tu m'aiderais ? Ouais, dis-moi quel est ton temps libre. Oh, merci. Je m'appelle Jeff Watson. Mick Riley. Et moi, Todd. Salut. Salut. Grosse tête, hein, mais sympa. Ça te dirait de draguer ce soir ? Draguer ? Oui, Steve Martini va emprunter la bagnole de son paternel. Et les nanas, elles vont tomber à genoux. Ah oui ? D'accord. Comment vous pouvez avaler cette bougie ? Ah, ce sont les trois P. Pourri, poison et pipi de chat. Non, mais c'est immangeable. Tout est frit, du pur cholestérol, les légumes débordent de sodium, vous avez des estomacs en béton. Tu viendrais pas de Californie? Entendu. Alors, rendez-vous chez toi. On passera vers les 8 heures. Ah non, plutôt 8 heures et demie. Hein. Je tiens pas à ce qu'on arrive les premiers. Oui, si tu veux. Riley. Riley. C'est Tracy Gordon, notre supporter au basket. Pas mal, non? Curieux, cette fille. J'ai l'impression de l'avoir déjà vue. Alors, petite tête, je t'avais bien dit qu'il était normal. Alors, tu la secoues un peu cette voiture et on dort là. Tu me fais perdre la tête. Ça y est, je deviens fou. T'es dingue, sors-moi tes pieds du tableau de bord, sinon mon père me la prêtera plus. Il est plutôt sympa ton paternel. Le mien, il me prêterait même pas sa tondeuse. Eh, je te signale qu'il me la prête pas. Simplement, il est parti en voyage d'affaires. Quant à ma mère, elle joue au bridge. Alors fais gaffe, Martini. Toute la ville connaît cette voiture. T'as pas peur des potins de concierge? Fais pas de bile, je leur dirai que c'est quelqu'un d'autre. Personne en ville n'a la même voiture. Et Steve, tu te souviens de la fameuse boum qu'on devait faire chez toi ? In extremis, tu t'es rappelé que tes parents étaient sortis et non partis en voyage. J'avais confondu les week-ends, ça peut arriver. Hé, hey, poupée, toi et moi. Ouh ! Vous n'avez donc aucun respect pour les femmes ? Ayez au moins un minimum de galanterie avec elles. Arrêtez-vous au lieu d'hurler de la voiture. Simple suggestion. C'est la première fois que tu dragues ou quoi ? Non, pas du tout, mais avant c'était plus marrant. Monsieur préfère sans doute avaler des flopées de pierre avec une paille. Je considère votre attitude comme une perte de temps et d'énergie. Hé ! Ma parole, mais c'est Billy, dans sa casserole toute neuve, et qui joue les jolis cœurs. Allez, dépêche-le, vieux ! Waouh ! Yeah!
Vous êtes vraiment fous, les mecs. Fous alliés. À combien estimez-vous vos vies? Vous vous croyez mortel ou quoi? Oui. Ouais, d'ici quelques années, tu penseras autrement. Moi, en tout cas, j'ai pas particulièrement envie de mourir. Donc, ralentis un peu, tu veux? Sûr, Riley. Je ne voudrais pas abîmer notre superstar. Merci. J'ai entendu dire que tu étais tombé en arrêt devant Tracy Gordon. Elle est sexy, non? Tu la sors quand? Évidemment, faut du cran, hein. C'est peut-être dangereux aussi. C'est mon problème, non? Hé, Martini, où sommes-nous? Dans la voiture, apparemment. En pleine campagne, apparemment. Bravo, et notre superstar connaît-il le mot ferme? Que va-t-on faire dans une ferme? Surprise, surprise, tu vas voir, c'est l'un de nos passe-temps favoris. Culbuter la vache. Tradition très ancienne à Georgetown. Explique-toi. Non, c'est vrai, t'as jamais culbuté de vache? Oh, j'avoue que ce genre de facétie m'amuse guère. Allons, avouez que c'est une mauvaise blague. Non, nous l'avons tous fait. C'est facile. Très facile. Les vaches ont l'habitude de dormir debout. Je t'assure qu'elles ont un sommeil de plomb. Voilà ce que tu fais. Tu rentres derrière l'une d'elles, tu lui donnes un bon coup, et elle s'écroule. Pourquoi? Pourquoi pas? Quel jeu de crétin, la vache peut se blesser, je peux me blesser, je ne vois vraiment pas pourquoi je me risquerais une telle idiotie. Tu ne vas pas te blesser. Je te trouve bien trouillard pour une star de basketball. Je ne suis pas trouillard du tout, je suis lucide, hein? Alors disons que ce jeu fait partie du bizutage. Culbute ta vache et tu seras accepté à Georgetown. Je pourrais aussi me déguiser en clown et grimper en haut du mât. Allons-y gaiement. Où sont-elles? Elles sont là. Débrouille-toi. Rentre dans le champ, tu finiras par en trouver une. Salut les chéris. Si vous n'avez pas le jeu, moi non plus. Bravo, Mick, en plein dans le panneau. Non, vous, vous pouvez vous rendormir, hein. Regardez, la voici, l'année des rebelles. Thank you.
l'école est au courant. Ça a été placardé partout. Mais comment as-tu pu te faire avoir? C'est le plus vieux truc de l'école. Disons que j'ai perdu l'habitude. Hé, Mick, pas trop fâché pour la blague de l'autre soir? Oh non, ravi. Les 3 kilomètres à pied furent un véritable enchantement. Ah bon? Ben, tu acceptes toujours de me donner un coup de main? Les épreuves arrivent bientôt. Hé, Mick. Mick, à ta place, j'oublierais. Ce genre de parenthèse va ruiner ta concentration. Avec qui Tracy discute-t-elle? C'est sa mère. À présent, tu sais d'où vient son allure. Oui. Salut. Salut, je m'appelle... Mick Riley. Tout le monde vous connaît. Vraiment? Bien sûr, vous êtes le nouveau... le petit génie, paraît-il. Non. Au fait, je t'ai croisé plusieurs fois et puis ça m'a frappé. Tu me rappelles quelqu'un que j'ai bien connu. Oh, très original. Non, pas très, non, mais j'ai pas l'habitude. Sans importance. Nous avons un match vendredi. Pourquoi tu ne viendrais pas? Je suis supporter de l'équipe. Oh, bon. Dans ce cas, après le match, pourquoi ne pas prendre un verre ou un sandwich ou autre chose? Je sais rien. Je dois demander à maman. Je n'ai pas le droit de sortir seule. Sortir seule? Oh, quel âge as-tu? Eh bien, presque 16 ans. C'est l'heure des flanflans. Je te laisse. Je dirai ça demain. Bien sûr. À demain. Charles Candy du Total News, nouvelle régionale de Georgetown. Je me tiens aux côtés de Mick Riley, une nouvelle recrue de l'école de Georgetown, qui est en grande partie responsable de la victoire ce soir sur les Atobacco. Il a marqué 22 points, récupéré 12 fois le ballon. Michael, vous avez pulvérisé à vous seul les records de l'école. Cela fait bien 10 ans que Georgetown n'avait réussi à battre Atobacco. Avez-vous une déclaration à nous faire? Je me suis bien amusé. D'accord, mais beaucoup de jeunes doivent vous écouter ce soir. Une idée de vos ambitions? Non, aucune. Vous voulez sans doute devenir un professionnel? Non, non. Eh bien, puis-je connaître quels sont vos plans futurs? Simplement continuer à m'amuser. Ah, je vois. Chers auditeurs, vous avez bien entendu. Il veut juste continuer à s'amuser. Oui. Michael, encore bravo. Merci, Charlie. Charles. Oh, salut. Salut. Tu as joué du tonnerre. Quel encouragement aussi. Tu applaudissais mieux que les autres. Merci. Et cette sortie, as-tu demandé? Ta mère est d'accord? D'abord, elle veut te rencontrer. Mais si tu ne fais pas de gaffe, ce sera oui. Super. Sympa ici. Qu'est-ce qu'il fait, ton père? Il est mort. Excuse-moi. Oh, je t'en prie. Il est mort l'hiver dernier. C'était un avocat. Oh. Au début, c'était très dur. Mais avec le temps, les choses s'arrangent. Tu dois savoir ce qu'on ressent. Hein? Oui. Oui. Et pour tes parents? Accident de voiture, quelque chose comme ça. Tu ne t'en souviens plus? Blocage mental. Oh. Oh, tiens, assieds-toi. Je vais aller me changer. Pourquoi? T'es bien comme ça? Non, tu rigoles. Je porte ces vêtements depuis 7 heures du matin.
Évidemment, c'est défraîchi. Je plaisantais. Oui, je sais. Ah, pas mal ce garçon. Madame Gordon? Michael! Vous savez mon nom? Excusez-moi, non, je suis navrée de rester ainsi sans parole, mais vous ressemblez tellement à quelqu'un que j'ai connu. Oh. Peut-être est-ce mon père, Michael Riley. Il a fait partie de l'école de Georgetown. Je comprends. Mon Dieu, est-ce que vous pouvez lui ressembler? Je le prends comme un compliment? Oui, vous le pouvez. Vous savez, maintenant que j'y pense, mon père mentionnait souvent le nom de Laura. Travis, c'est votre nom, jeune fille? Oui, c'est exact. Oh, j'ai très bien connu votre père. Ah, quelle curieuse coïncidence. Vous avez grandi en ville? Oui, oui. C'était l'obsession de votre père, vivre dans une grande ville. S'il n'avait pas réalisé son rêve, il aurait très mal vécu. Oh, vous croyez? C'est grand ici, pourtant. Je crains que vous ne trouviez Georgetown monotone comparé au style de vie que vous avez dû vivre. Non. Cela ne fait pas partie de mes regrets. Par contre, les musées, le musée d'histoire naturelle, l'opéra, là, j'avoue qu'ils me manqueront un peu. Ah oui? Voilà un goût plutôt inhabituel pour un garçon de votre âge. On dit souvent que je fais plus que mon âge. J'ai toujours été porté vers le domaine artistique. Ah, nous avons une petite galerie en ville. Vous ne trouverez pas de Picasso, mais certains artistes locaux ont beaucoup de talent. On ira jeter un œil. Enfin, Tracy et moi. Si vous réussissez à emmener Tracy à une exposition, je vous promets que ce sera marqué dans les annales. Est-ce que vous savez moudre? Pardon? Le café. J'ai la réputation de faire du bon café. Oh, mais oui, donnez. Tenez, il est là. C'est toi, maman? Chérie! J'ai fait la connaissance de Mick. Le père de Mick et moi, nous allions ensemble à l'école. Ce n'est pas vrai. Si! Et vous ne seriez pas sortis par hasard ensemble? Mais oui. Mais alors la boucle est bouclée. On renoue avec la tradition. Oui. Hein. Tracy m'a dit que vos parents étaient morts. Oh, oui. Dans une catastrophe aérienne. Tu avais dit accident de voiture. En fait, l'avion s'est écrasé sur leur voiture. Vous l'avez pas lu dans les journaux? Michael est mort. Bon, enfin, oui. J'ai du mal à le croire. Les présentations étant faites, tu veux bien que je sorte avec lui? Je n'arrête pas de le rabâcher à Sydney. Ça me tue à la fin. Quand tu as raison, personne ne s'en souvient, mais quand tu as tort... Tu radotes sur quoi, Riley? Rien. Une minute de silence! Mick! Mick! Je viens d'avoir les résultats de mes examens. J'ai plus que la moyenne! Terrible, non? Tu vois, je te l'avais dit que c'était facile. Facile, facile, parle pour toi. Merci. Oh, de rien. Un peu de friture? Et Riley, raconte-nous. Tu en es où avec cette chère Tracy, hein? N'oublie pas qu'on partage tout. Écoute, c'est personnel. Depuis quand? Allez, raconte-nous. Ne me dis pas que tu es tombé amoureux ou une stupidité de ce genre. Calmez-vous, ce n'est qu'une enfant. C'est le style d'enfant qui me plairait bien. Je connais tout un tas de types qui se battraient pour sortir avec elle. Faites gaffe, à propos d'enfants. La voilà. Si t'es trop occupé, j'accepte le jardin d'enfants. Salut tout le monde. Salut. Cela vous ennuie pas si je parle à Michael? Si, ça nous ennuie, mais n'oublie pas que nous sommes là. Qu'est-ce qui leur prend? Oh, ils sont jaloux. Je voulais juste te dire que ma mère te trouvait sympathique. Ah oui? Oui. Elle me laisse donc carte blanche avec toi. Carte blanche? Oui, donc, si un jour tu veux sortir, je suis libre. Qu'est-ce qu'elle a dit exactement? Ben, tu sais, le genre de paroles que les mères disent, que tu étais un garçon gentil. Garçon? Oui, je meurs d'envie de voir ce nouveau film, Massacre sur la plage. Il se joue en ville. Fais un effort. Est-ce qu'elle t'a parlé de ma maturité ou autre chose? Je ne sais plus. Demande-lui toi-même, après tout. Tu m'emmènes voir ce film ou non? Oui, d'accord. Je passe te prendre ce soir. Entendu. À ce soir, alors. Promis.
garçon. Soir. Bonsoir. Tu dois être Peter. Ah, oh, dis, il est chouette ton blouson. Merci. Tu veux me voir dribbler? Oui, vas-y. Oh, pas mal du tout. Pas mal pour un garçon de ton âge. Vrai? Merci, tiens, regarde. 3 secondes avant la fin du match, et Peter Gordon marque! Maman, je vais te flanquer une fessée. Bonsoir. Ce qui peut m'agacer quand elle veut se rendre intéressant. C'est pas grave. Il est parti pour bien jouer. Hé, hey, tu sais que j'ai un filet derrière, hein? Tu veux jouer? Maman, je vais le tuer. Une autre fois, d'accord? Merci, Peter. Pourriez-vous arrêter de vous disputer? Bonsoir, Mick. Entrez. Non, non, on est pressé. Il faut y aller. Oh, nous pouvons rester un peu. Non, non. Ça ne fait rien. Allez-y. Amusez-vous bien et ne rentrez pas trop tard. Hé, je peux venir? Non. Au revoir, maman. Pourquoi? C'est pas idiot, dans le fond. Allons-y tous. Quoi? Oh, c'est très gentil de penser à nous, Mick, mais entre un enfant turbulent et une vieille dame, vous allez gâcher votre soirée. Oh, vous n'êtes pas une vieille dame. Mais elle a son âge. Allons-y. Tracy, la famille, c'est un bien tellement allez, précieux. Viens. Excusez-la. Tu devrais passer plus de temps avec eux. Oui, d'accord, mais sûrement pas ce soir. Oh, pourquoi nous ne sortons jamais? Mais nous serions comme une grande famille. C'est une excellente idée. Mais je rêve. Je t'en prie, Tracy, c'est important pour moi. Mick, je ne vais pas sortir en public avec ma famille. Allez manger une pizza? Oui, très bonne idée. Non, pas question. Pas question. Allez, Tracy, c'est marrant. Pizza! Salut à tous. Mais que vois-je? Notre père de famille? Notre relais groupe ses rendez-vous? Une femme ne lui suffit pas. Il lui faut toutes. À moins que notre star ait la trouille des filles. Hé, hey, je peux te donner des leçons si tu veux. Juste un conseil, sortez de l'enfance. Monsieur jouerait-il les rabat-joie? Excusez-moi, je peux me joindre à vous? La maternelle m'agace. Tracy! Oh, c'est toi? Je te cherchais justement. Dis-moi, j'espère que tu ne m'en veux pas trop pour cette sortie familiale. Je n'aurais peut-être pas dû la proposer. Oh, n'en parlons plus. Tu veux sortir avec moi vendredi après le match? J'en sais rien. Ou peut-être samedi, je pourrais venir te chercher. Samedi, d'accord. Maman a un vernissage dans l'après-midi. Ah oui? Oui, elle s'est proposée de s'occuper des boissons. Ah bon, peut-être vendredi alors? Pourquoi pas samedi? Parce qu'en fait, vendredi m'arrange mieux. Alors entendu, vendredi. Bien. Hé, hey, crois-tu que ta mère aimerait voir le match? Laisse tomber, maman. Excusez-moi, désolé. Madame Gordon. Mais quelle surprise! Que faites-vous ici? Je m'occupe de servir des rafraîchissements. Vous aimez cette exposition? Non, absolument. J'adore l'art. Quelques-unes de ces toiles sont très intéressantes. Vous avez déjà vu une croûte sous un microscope? Il y a une ressemblance frappante. Ça ne sent pas des Picasso. Non, je plaisantais. D'où vous vient ce goût artistique? Mon père, il avait une passion pour la peinture, surtout les impressionnistes. Vraiment? Je devine votre peintre favori, Degas. Oh, mais c'est exact. Comment le savez-vous? Mon père me l'a dit.
Bien sûr. Très, très souvent. Je suis un peu déconcertée, troublée, je l'avoue. J'étais persuadée qu'il m'avait oubliée. Oh, madame, vous êtes inoubliable. Vous avez une façon d'envoyer les compliments. Futur charmeur, briseur de cœur, comme l'était votre père. Un peu de café? Oh non, merci, je ne bois pas. Cela bloque la croissance. Mais j'irai volontiers dans un café prendre une énorme glace à la crème chantilly. Oh, pardon, vous trouverez un café en haut de la rue. Oh non, merci. Je déteste aller seule dans ce genre d'endroit. Écoutez, j'ai une idée. Le vernissage se termine, nous pourrions aller manger une glace ensemble. Vous viendriez? Oui. Oh, ce serait un immense plaisir, madame Gordon. Je sais pas quoi prendre. Eh bien, disons une orange givrée. Ah non, c'est pas du tout ce qu'il vous faut. Pourquoi? Laissez-vous tenter par une montagne de boules à la menthe nappées de chocolat chaud, enrobées de crème fouettée et bourrées de noisettes. La même pour moi, merci. Je n'en ai pas mangé depuis l'âge de 16 ans. Eh bien, il faut rattraper votre retard. En fait, ça doit être dur pour vous. Vous avez une telle différence d'âge. Oh, le décalage est parfois difficile. Je me sens un peu seule. Je ne croyais pas qu'il y aurait un tel écart. Après toutes ces épreuves, c'est assez normal, non? Oh, je m'en sors. Mick, je sais ce que vous ressentez. Moi aussi, j'ai perdu un être cher, mon mari. Et depuis, je n'arrive pas à croire qu'il est mort. Je tourne en rond. En fait, quand vous perdez un être très cher, votre vie n'a plus aucun sens. Madame Gordon, j'aimerais aborder un sujet avec vous. Bien sûr. Voilà. Parlez, voyons. Oh non, je crois pas que le moment soit le bon. Une autre fois, d'accord? D'accord. Quand vous voudrez. Le jour où vous en aurez envie, n'hésitez pas. Il s'agit de votre père? Plus ou moins. Mais je ne crois pas que le moment soit bien choisi. D'accord. Lorsque vous m'avez annoncé sa mort, cette nouvelle m'a vraiment bouleversée. J'avais tant de jolis souvenirs. Et d'une certaine manière, je me sentais proche de lui. Ah oui? Jamais il ne m'a dit la raison de votre rupture. Je crois que Michael et moi-même, nous avions des optiques différentes. Michael était obsédé par sa réussite. Professionnelle, j'entends. Il était ambitieux. Personne n'aurait pu l'arrêter. Il n'avait qu'une idée en tête, réussir. Moi, je n'étais rien. Il a eu une réussite professionnelle, mais pas sentimentale. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être était-il axé sur un but qui n'était pas le vrai. Il ne vous a jamais oublié. Il ne s'est jamais pardonné de vous avoir laissé. Il m'a dit une fois, Mick, si tu trouves la femme, ne la laisse pas partir. Sinon, tu passeras le reste de ta vie à la chercher. En entier. Je suis bonne pour l'indigestion. Oh, c'est important de se laisser aller de temps en temps. Oh, merci de me raccompagner, Mick. Oh, madame Gordon. Oui? Puis-je vous appeler Laura? Je crains que ce ne soit pas une bonne idée, sinon je vais me sentir à nouveau jeune. Oh. D'accord, ce n'était qu'une suggestion. Bonsoir, madame Gordon. Bonsoir, Mick. Bonsoir. Où étais-tu passé? Tu le sais très bien. Maman, je t'ai vu arriver, tu étais avec Mick. Oui, et alors? Il était au vernissage. Tu sais, pour un garçon de son âge, je le trouve très cultivé. Oh, ses talents ne s'arrêtent pas là. Ce qui veut dire? Cela ne te paraît pas déplacé qu'il sorte avec quelqu'un qui pourrait avoir le double de son âge? Tu sais, je sors bien avec toi et cela ne me gêne pas. Maman, réfléchis. Je ne parle pas seulement pour moi, mais pour le qu'en dira-t-on? Explique-toi. Tout le monde sait qu'il nous a sortis l'autre soir. Ce qui me paraît pour le moins anormal. Tracy, tout ceci est d'un ridicule. Vraiment?
Aujourd'hui, il me dit de venir voir le match de basketball. Et ? Il a décommandé. Je ne suis pas jalouse. Mais de toute façon, je le trouve plus bizarre. D'ailleurs, je ne comprends pas la moitié de ce qu'il dit. Il préfère les profs aux garçons de son âge. Chérie, il est d'une telle maturité, il n'y peut rien changer. Oh, c'est pourquoi il préfère les femmes plus mûres. En tout cas, à l'école, on se fout de moi parce que mon copain préfère ma mère. Tracy, je ne sors pas avec lui. Mick est comme un fils pour moi. Je lui reconnais plein de qualités, mais il n'a que 17 ans. Maintenant, arrête, je t'en prie. D'accord. Mais je te préviens, si tu vas plus loin, je ne t'adresserai plus jamais la parole. Sur l'association des parents d'élèves. J'ai pensé que nous pourrions le faire passer peut-être en première page. La première page est prise. Ah oui, par qui? Par le héros du jour, il est. Il est marqué 22 points vendredi soir. Ouais, une véritable vedette. Mais quel étrange garçon. Il refuse d'envisager son avenir. C'est incompréhensible. Il est loin d'être idiot, pourtant. Eh bien, pourquoi pas en page 2? Votre fille sort bien avec lui. Sortait, oui. Il me paraît important de faire passer... Vous étiez à ce vernissage avec lui, je crois. Edith Bessel était sur place pour y faire un papier. Et m'a dit que vous aviez l'air de bien vous amuser ensemble. Harry, faites ce que vous voulez de ce papier, je rentre. Allô? Oui, oui, bien sûr, je suis un peu occupée pour l'instant. Vous avez un problème? Ai-je fait quelque chose qui vous déplaît? Oh non, c'est pas vous. Non, mais que se passe-t-il? Rien de grave. Figurez-vous que j'ai appris qu'il y avait une petite troupe de ballet qui passait en ville. J'ai pris deux places pour Roméo et Juliette. J'aurais aimé que vous veniez. Entre nous, Mick, ne croyez-vous pas que vous devriez inviter quelqu'un de votre âge? Oh, j'y ai bien pensé. Ils ont tous trouvé que le ballet était ennuyeux à mourir. Évidemment. Et puis je sais que vous vous intéressez à la danse. Je crois que c'est le genre de représentation qui vous plairait. Si vous êtes prise, je comprendrai. Non, ce n'est pas ça. Je regrette parfois d'avoir ces goûts artistiques. Mais cela fait partie des goûts qu'il ne faut jamais regretter. Ce qui compte, c'est ce que vous ressentez réellement. Oui, c'est pouvoir oser sa différence. Madame Gordon, vous êtes là? Oui, je suis là. J'étais en train de réfléchir à ce que nous disions. Je serais ravie de voir ce ballet avec vous. Fantastique! Je passerai demain vers les 7 heures. Au revoir. Au revoir. Thank you.
soirée merveilleuse. J'ai du mal à vous croire, vous avez pleuré tout au long de la dernière demi-heure. Les ballets me font toujours pleurer, spécialement celui-là. Cela vous dérange si je rentre dire bonsoir à Peter et Tracy? Oh, Peter est parti faire un camp pour le week-end et Tracy passe la soirée chez une amie. Ah, bon. Peut-être m'autorisez-vous à venir boire un verre? Je dois avoir du lait froid et des gâteaux que j'ai fait aujourd'hui. Non, ce serait parfait. D'accord. Asseyez-vous. Je peux mettre un peu de musique? Ah oui, bien sûr. Oh, quel étourdi, je vous ai laissé dans le noir. Excusez-moi. Où est la tête? Vous avez mis mon morceau préféré. C'est également le mien. Je tenais à vous remercier pour cette adorable soirée. Je n'avais pas été au ballet depuis une éternité. Je suis heureux que vous soyez venu. Moi aussi. Décidément, je me sens très jeune ce soir. Vraiment? Oui. Jeune comment? Oh, comme une jeune fille. Quand j'étais jeune, votre père m'emmenait au cinéma. Je pleurais toujours, ça l'énervait. Il me traitait de grande sentimentale. Impossible. Si, si. Il devait me trouver stupide de larmoyer sans cesse et sans raison. Oh, je suis sûr qu'il a changé. Quand j'étais petit, il passait pour être affectueux et romantique. Est-ce qu'il vous manque parfois? Ah oui. Pendant longtemps, je n'ai pensé qu'à lui. Je me suis demandé ce qu'aurait été ma vie si je m'étais mariée avec lui. Oh, merveilleuse. Peut-être. Je sais qu'il vous aimait. Je l'aimais aussi. Mick. Laura. Il faut que vous partiez. Mais j'ai... Vous vous faites de fausses idées. Partez, s'il vous plaît. Laissez-moi vous expliquer. Je ne veux rien entendre. Je vous aime. Arrêtez de dire des bêtises. Vous êtes trop jeune pour m'aimer. Mais c'est faux. Écoutez, Mick, je suis navrée de devoir vous décevoir, mais vous n'êtes rien d'autre pour moi qu'un ami, un jeune ami. Arrêtez de parler de jeunesse. Il est grand temps que vous sortiez et que vous trouviez quelqu'un de votre âge. Oublions tout ça, voulez-vous? Écoutez, j'ai un secret à vous révéler, je vous en prie, écoutez-moi. Je refuse d'écouter quoi que ce soit et je refuse que vous voyiez Tracy. Madame Gordon, je vous en prie. Au revoir, Mick. Je peux te parler? Fous-moi la paix. Tracy, je veux juste t'expliquer quelque chose. Je me moque de tes explications. T'es un vrai. Mick, pourriez-vous nous dire ce qu'est un amendement? Le poids du Congrès par rapport à cet amendement? Quoi? Voulez-vous nous faire un exposé sur l'amendement et le Congrès? Pourquoi? Eh bien, Mick, simplement parce... Je sais ce que vous pensez. Non, je ne suis pas une pièce de musée qu'on exhibe. Vous m'avez rejeté et condamné sans comprendre. Simplement parce que j'ose affirmer des pensées et agir d'une façon différente de la vôtre. Vous m'avez taxé d'être un monstre, décision générale et sans appel. Elle n'est que le reflet de la peur, enfouie au fond de vous-même. Si cela ne vous dérange pas, Mademoiselle Ross, je refuse de jouer ici le rôle du singe savant, mais j'accepte de jouer le rôle de l'élève qui s'ennuie à votre cours. Je ne vous demande qu'une réponse. Oh, Mick, vous êtes vraiment quelqu'un d'obstiné.
M'aimez-vous? Mick, vous n'avez que 17 ans. M'aimez-vous? Non. Jurez que vous n'éprouvez aucun... Je refuse de répondre à cette question. Répondez-moi, je vous promets de partir tout de suite. Je reconnais que j'éprouve quelque chose. Mais je sais d'où ça vient. Vous savez, vous me rappelez tellement votre père que chaque fois que je vous regarde, je ne vois que lui. Et je sais pas, ça me rend folle. Mais cela ne veut pas dire que je sois amoureuse de vous. Puis-je entrer vous parler? Vous m'aviez promis de partir. J'ai une révélation à vous faire. Je vous en prie, écoutez-moi. Après, je partirai. Je vous remercie de cette confiance. Une fois que je vous aurai tout révélé, je vous laisserai soin de décider si je suis fou ou non. Voilà donc mon secret. Bien. Je me jette à l'eau. Je ne suis pas Michael Riley Jr., mais le Michael Riley. Vous êtes Michael Riley. Le Michael que j'ai connu enfant. Vous êtes fou. Vous m'aviez promis d'écouter. Oui, mais je m'en vais. Je perds la tête. C'est ma maison. Vous partez. Laura. Écoutez, on m'a déjà fait plus d'un coup pendable. Mais celui-là bat tous les records. Je refuse de tomber amoureuse d'un garçon de 17 ans, alors il essaye de me faire croire qu'il en a 40 avec un élixir de jouvence. Écoutez-moi, Laura. J'ai une fausse apparence. J'ai vieilli comme tout le monde. J'ai de nombreuses rides. Quant à mes cheveux, ils deviennent gris. Je reste en forme grâce au squash. Donc, vous avez 40 ans, mais grâce à des vitamines miracles, vous avez 17 ans. Non, ça n'a rien à voir. Alors, c'est quoi? J'ai rencontré un ange. Oh, un ange? Mais pourquoi pas? Laura, comment en être certain? Il avait l'apparence de quelqu'un d'âgé, arrivant de nulle part. Je lui ai confié mes regrets d'avoir perdu ma jeunesse. Après, je ne sais plus, il avait disparu et j'avais 17 ans. Oh, merveilleux. Est-ce que vous étudiez Dickens en littérature? Vous devez me faire confiance. Non, je désire clore la discussion. Laura, admettons que je vous parle de souvenirs que vous seule connaissez. Ça peut être intéressant. Bien. Votre deuxième nom est Jane, votre père s'appelait Rodney. Votre anniversaire est le 17 juillet et le chien était un collet du nom de César. Votre père a pu vous confier tout cela? Non, le rose est votre couleur favorite. Vous êtes allergique aux oignons. Votre plus adorable grain de beauté est derrière l'oreille droite. Facile. Très bien, continuons. Le lac Newman, c'était le 4 août. La pleine lune. Votre père vous a dit ça? Bien sûr que non, pour qui donc me prenez-vous? Je ne sais plus. Comment êtes-vous au courant? Mais j'étais là. Love Me Tender, nous avions décidé que ce serait notre chanson. Tu m'as juré que tu m'aimerais toute ta vie. J'étais sincère, je le suis toujours. Faut-il encore des preuves? Je ne sais plus que penser. Laura, je ne suis pour rien dans cette transformation, mais c'est un fait. Il vous arrive de formuler un vœu, un souhait, que sais-je, et qu'il s'arrête de pleuvoir ou que quelqu'un vous appelle et le vœu se réalise. J'ai tellement souhaité retrouver ma jeunesse que mon vœu s'est réalisé. Oh. Oh, mais je suis folle de vous croire. Réfléchissez, donnez-moi une explication. Il n'y en a aucune. Enfin, j'arrive de nulle part, j'ai tout l'argent que je veux, je n'ai pas de parents, pas de passé, et je suis le meilleur joueur de basket qu'ait connu Georgetown. J'ai la maturité d'un homme de 40 ans. Est-ce normal, tout ça? Certains faits sont parfois étranges. Citez-en un. J'en sais rien, Mick, mais de là à croire qu'un ange... Écoutez, jamais je n'aurais pu inventer une histoire aussi folle. Je vous le jure, c'est la vérité. Supposons que ce soit la vérité. Pourquoi avoir fait un vœu aussi insensé? J'en sais rien. J'étais désespéré. Vous vous souvenez de notre conversation dans le café, cette poursuite éperdue vers la réussite professionnelle? C'est exactement ça. J'ai eu tout ce qu'un homme peut désirer, mais j'ai raté l'essentiel. Le temps s'est écoulé et tout ce que j'avais entrepris tout au long de ma vie m'a paru dénué de sens. D'où ce souhait ô combien ridicule de tout recommencer. Disons que vous aviez une certaine optique de la vie. Pour retrouver un sentiment réel de joie, de bonheur, il a fallu que je remonte loin. Je n'ai vraiment été heureux qu'à l'école. Et avec vous. J'ai voulu retrouver cette plénitude et repartir à zéro. Raison de
raison de ce retour. Vous êtes heureux? Je ne peux être heureux qu'avec vous, Laura. Je viens seulement de le comprendre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pourquoi ne pas vivre notre vie? Parce que je suis deux fois plus âgée que vous. Non, Laura, je vous en prie, mon âge n'est qu'une illusion. Mais votre apparence est celle d'un jeune adolescent. Vous avez 17 ans pour tous les autres, mes amis, mes enfants, vos camarades. Je ne pourrais pas, Mick. Votre apparence physique nous imposera un constant décalage. Essayez. Je ne veux pas vivre une vie remplie d'anges et de miracles. J'ai à faire face à la réalité. Attendez, j'ai une idée. Pourquoi ne pas retourner en ville? Comment? Et retrouver nos 17 ans, vous et moi. Ce que cet homme a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Laura, s'il m'a rendu mes 17 ans, il vous les rendra aussi. Oh, oh quelle folie. Pourquoi? Vous savez, les anges peuvent tout. J'en suis persuadée. Mais là n'est pas le problème. Alors quel est-il? Je ne veux pas rajeunir. Mais pourquoi? J'aime mon âge, Mick. Et j'aime ce que je suis devenue. Revenir en arrière et retrouver les angoisses psychologiques, scolaires... Oh, grand Dieu, non, Mick, sûrement pas. Mais tout le monde veut être jeune. Je l'ai été une fois. Cela me suffit. Mais quelle belle période! On démarre avec la vie qui s'offre à vous. Mick, mon existence, comme celle des autres d'ailleurs, est une collection de moments... de jours et d'années, sans lien, ça n'a aucun sens, mais réunis, ils offrent la sculpture d'une vie. Tant qu'il n'y a pas cette prise de conscience, on tourne en rond et on reste un enfant. Cela ne me dérangerait pas. Moi aussi. Raison pour laquelle ça ne marchera jamais. Adieu, Mick. Je refuse de vous perdre à nouveau. Donnez-moi une chance. Cette chance, vous l'avez eue et vous l'avez gâchée. Maman n'est pas à la maison. C'est toi que je voulais voir. Moi, pourquoi? Je vais partir, je désirais te dire au revoir. Bon, au revoir. Tracy, je tenais à m'excuser, j'avoue m'être très mal conduit envers toi. Tu es quelqu'un de très bien et tu mérites mieux que ça. Laisse. J'ai été absolument odieux. Pardonne-moi si je t'ai fait souffrir. Pourquoi veux-tu partir? Oh, c'est pas une obligation. Disons que la maison me manque. Que va devenir l'équipe de basket sans toi? Personne n'est irremplaçable. Bien. Prends soin de toi. Mick. Tu sais, tu n'es pas si odieux. J'aurais pu être bien avec toi. Merci. Dis au revoir aux autres pour moi et dis-leur que je leur pardonne de m'avoir fait jouer les cow-boys. Entre nous, Jeff Watson est pas mal du tout, tu sais. Il te trouve si jolie. Ah oui? Ah oui, il est chouette. Et dis au revoir à... Je lui dirai. Non, je voulais parler de Peter. Oh, je lui dirai dès qu'on aura fait la paix.
chère Laura. Quand vous lirez cette lettre, je serai reparti. Rester près de vous sans vous voir était trop douloureux. Mon avenir est un point d'interrogation. Impossible de retourner travailler. Quant à l'école, je la trouve ennuyeuse. Impossible donc de prédire ce que je vais devenir. Jamais je n'oublierai vos paroles. Quelle leçon. Mais il est trop tard. J'aurais tant aimé vous avoir à mes côtés, mais je vous comprends. Je vous souhaite à vous ainsi qu'à toute votre famille un réel bonheur. Votre vision m'obsède. Mais ne dit-on pas, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je vous aime, Michael. Y a-t-il quelqu'un? D'accord. Même bus et la boucle est bouclée. Alors, si vous êtes dans les parages, venez. Apparaissez, enfin, je sais pas, faites quelque chose, je vous attends. D'accord, je suis fou, mais pas dangereux. D'accord, je l'admets, j'ai été stupide. J'avais tort, vous aviez raison. J'ai compris la leçon. Je voulais juste vous le dire. Vous, les jeunes, vous croyez toujours avoir les réponses à tout. Oh, merci. Merci d'être venu. Je n'avais rien d'autre à faire. Écoutez, je voulais juste vous dire face à face que ma stupidité méritait une leçon. Ce n'est pas de votre faute, je l'ai bien cherché, mais... Vous savez, j'ai découvert que quoi qu'on fasse, qu'on ait de l'expérience ou pas, eh bien, on refaisait les mêmes erreurs. Oui, exact. Vous aviez raison pour l'âge. Il est terriblement difficile. J'ignore pourquoi j'ai voulu revenir en arrière. Ou plutôt si, ce n'était qu'une fuite par rapport à ma vie. Je sais. Ah, je n'ai plus qu'un but, être bien avec moi-même. Si je n'avais pas formulé ce vœu, je serais aux côtés de Laura alors qu'il est. Oui, oui, je sais bien. Allez-vous rester toute la nuit et continuer à prouver ce que je dis? Que voulez-vous que je fasse? Oh, je l'ignore. J'ai compris la leçon. Puis-je enfin récupérer mes 40 ans? Cela ne fait pas partie de mon département. Je peux en référer par contre à qui de droit? Surtout, dites-lui que j'ai compris. Oui, nous verrons, ne soyez pas déprimés. Vous avez toute la vie qui s'ouvre devant vous. Et puis, qu'importe l'âge, il suffit d'être ce que l'on est. Oui. En tout cas, j'ai capté le message. Un vœu ne se formule qu'avec précaution. Il peut devenir réalité. Hein? Tiens, ça me rappelle Ted. Le garçon qui nous vend des sandwichs au bureau. Vous pouvez lui donner 40 ans pendant une semaine, ça le ferait réfléchir. Comprendre la leçon. Avez-vous vu un vieux monsieur assis derrière? Mon apparence est-elle jeune? C'est bien ce que je pensais. Oh, quel plaisir de vous revoir, monsieur. Vous m'avez appelé monsieur? Oui, monsieur. À nouveau 40. J'ai tous mes cheveux gris et mes rides. Roger, je suis oui, en monsieur, face de vous quelqu'un moi-même. Vous attend. Laura. Oui. Que fais-tu là? Tu m'as demandé de venir te voir. Ah oui? Oh, mais oui. Oui, bien sûr. J'ai un peu avancé le rendez-vous. Je retourne chez moi demain. Oh. Bien. Et ta soirée? Ma soirée? Celle de ton anniversaire. Tu m'as demandé de venir. Ce n'est peut-être pas oh, le non, moment. Non, ne bouge pas. Je pas c'est le moment le plus merveilleux de toute mon existence. Oh, bien. Au fait, joyeux anniversaire, Michael. Merci. J'ai 40 ans. Je sais. Tu es très bien, Michael. Tu as à peine changé. Merci. J'ai des cheveux gris, des rides. Et j'aime bien. Et toi, tu aimes? Oui. Laura, tu n'as jamais été aussi jolie. Tu ne m'as pas vue depuis 20 ans.
Même dans mes rêves les plus fous, tu n'étais pas aussi belle. Et si on célébrait mon anniversaire tous les deux? J'ai 40 ans, c'est un âge superbe. Oh, tant mieux, je vais les avoir très bientôt. Oh, tu vas adorer. Oui, 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 tu vas voir. Monsieur Riley. Votre sac. Vous pouvez le jeter, Roger? Bien sûr. Allez, raconte. Je veux tout savoir de toi, tout, dans les moindres détails. Ça risque de prendre du temps. Qu'importe, je dispose d'au moins 40 ans pour t'écouter.